français. Marine Fotoux. Avec ce pick and roll dans l'axe. Allez, Marine Malherbe. Allez, les deux premiers points pour l'équipe de France. Pour laisser un quart de terrain pour jouer ce 2 contre 2. Marine Fotoux avec Sandrine Gruda, mi-distance. Sandrine à la raison. Marine Fotoux. Allez, Marine Fotoux qui est passée. Marine Fotoux une nouvelle fois sur sa main gauche. Juste derrière le banc français pour donner de la voix dans cette salle une nouvelle fois, bien trop vite pour un quart de finale d'Eurobasket. Ça fonctionne, sous la pression des Françaises. Donc pour l'instant, on est bien en place. Donc c'est compliqué pour elle. Alexia Chartereau, loin. Allez, Alexia. Allez, bien. Bien sûr, Alexia Chartereau. Sandrine Gruda. Faut regarder son panier, les filles. Allez, 3 minutes, 3 secondes. Oh, elle était loin, Marine Fotoux. Pour Božica Mujović. On revoit ici au ralenti le tir à 3 points de Marine Fotoux. Elle était très loin. Et c'est de la défense que va revenir la confiance en attaque. Allez, Marine Fotoux qui se vers l'avant. Bien sûr. Dernier défenseur. Allez. On trouve Marine Fotoux. Allez, attention les filles. Ne pas se montrer trop timide. 10 secondes pour prendre un tir. Sandrine Gruda. Allez, Sandrine, bien sûr. Janelle Salin avec Marine Fotoux. Voilà, continuez sur l'écran. Bien. Valeriane Vukosavljević pour Janelle Salin. Bien sûr. Allez, faut regarder son panier. Oh non, pas de balle perdue. Non, pas de balle perdue. Mariam Badiane avec la faute. Marine Fotoux. Attention, Marine, de ne pas perdre le ballon. La passe pour Badiane au poste, bien sûr. Allez chercher autre chose. Je sais même la cinquième passe. Les interceptions, voilà. Ça serait beau. Très ça. Bien. Iliana Rupert et de ne pas jouer sur son poste de prédilection au poste 3. Allez, Marine Fotoux, elle est là, l'interception qu'on réclamait. Et les deux points en contre-attaque. France qui mène dans son quart de finale. 44 à 26 pour les Bleus. Plus que convaincante ce soir, Audrey. Oui, une très belle première mi-temps. Une passe très rapidement. Marine Fotoux. Elle a attaqué, elle a vu en début de match, elle l'avait déjà fait sur le début de la rencontre. Je lui ai dit tout à l'heure à la pause, elle nous régale et elle continue pour débuter ce troisième carton 16. Voilà, attention ainsi. C'est bon pour nous si le Monténégro nous rend si vite le ballon. Côté français, on va poser le jeu avec Marine Fotoux qui va prendre l'écran de Sandrine Gruda. On a cherché à l'intérieur Valeriane Vukosavljević. C'était compliqué pour Marie-Paul Focossi. Marine Fotoux qui va trouver Valeriane Vukosavljević qui n'aura pas l'occasion de prendre un tir. Et là, justement, les basketteuses sont en train d'effacer cet affront. Marine Fotoux, c'est exceptionnel. Et les filles, là, faut regarder votre cette cercle. Joueuse, là. Allez, le pick and roll peut-être pour Valeriane qui ouvre pas vraiment son écran. Ah, c'était compliqué, faut prendre le tir, les filles. Allez, Sandrine. Oh, est passé dans le dos de la défense. Et Marine Fotoux, elle va y aller. Voilà. Marine, elle a senti que ce soir, il y avait des boulevards pour aller au cercle. Donc comme elle a été un peu plus en difficulté sur son tir extérieur depuis un certain temps, elle continue à aller appuyer là où ça fait mal et aller chercher des points dans la raquette sur le jeu de transition. Marine Fotoux. Valeriane Vukosavljević, allez. Allez, Valeriane, bien sûr, avec la faute. Et la manière est arrivée à Ljubljana. Au meilleur moment, elles l'ont trouvé au meilleur moment dans ce quart de finale.